Honorable, son plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour, cher Serge Ignaud, c'est vraiment un plaisir pour nous ensemble matin après quelques temps. Nous pas, ouais. Et au compte pour qui ça nous paraît tout, c'est à cause de déplacement et de la diplomatie parlementaire là qui fait nous paraît, mais nous toujours présents en esprit et dans le pays pour nous capables d'avancer sur ce qui a passé dans la politique là pour nous qui gens nous qui côte pas nous dans l'amélioration et tout ce qui a fait dans le pays. Nous profiter, saluer le peuple Tomazoa qui était nous confiance, li, qui mettait nous là aujourd'hui comme député que nous représentait dans la 50e législature là valablement. Donc, nous étions quoi que nous avons pile bagaille pour nous faire ensemble, nous avons pile bagaille pour nous dire. Et sous pays, nous avons pile monde qui peut coûter. Ça n'a pas dit à tout parce que les, des fois, il y a des problèmes qui arrivent, c'est parce qu'il n'y a pas coûté conseil. Parce que conseil nous gagne pour nous bailler en pays. On a toujours baillé en tant que sage, en tant que parlementaire, on a toujours avancé dans le sens amélioration condition de la vie en pays. On a marqué discours, il y a trois discours, enfin, dit quatre, discours président CSPJ, discours commissaire gouvernement, près de la Cour de cassation, discours président et fédération Barouyo, bâtonnier l'on avocat Port-au-Prince. Discours président de la République, là, bon, discours maître Kantave, CSPJ, bon, qui croit que ma histoire fonctionne dans des conditions vraiment difficiles, je n'ai pas les moyens vraiment, un ensemble de promesses qui peut arriver Kembe, ou même qui était là, qui t'attendait, ou même tout qui est dans le système, non, à niveau pas où, comment apprécier l'intervention maître Kantave là? Bon, il faut dire que le système judiciaire là, son système qui a subi, ça me dit des chocs électriques depuis 1994. Parce que depuis 1994, nous partis dans sa nouvelle réforme judiciaire. Là. Nous avons intervention et toutes les missions Nations Unies qui ont avancé aider nous dans la réforme. Non? Mais nous voyons que la réforme non, a piétiné. La piétiner toujours parce que nous pas non seulement nous n'avons pas assez d'instruments, tout instrument que nous prévoit pour aider nous faire réforme, nous n'avons pas arrivé à atterrir avec particulièrement le nouveau code pénal là, qui nous amène toujours, et qui dans la chambre non, qui peut voter, et le code de procédure pénale là, qui peut remplacer le code d'instruction criminelle là, qui peut voter tout, et, mais qui n'a pas le cap. On gros casse-tête chinois parce que si Nal Chita sous Jean Constitution dit on peut voter l'article par article, c'est bien qu'après nous au moins deux à trois législatures pour nous voter chaque code. Donc nous pensons que nous sommes obligés de compromis et en dans Chambre députée et aussi en dans Sénat pour nous instruments ça aussi nous permettre mettez-le à jour pour nous mettre à la disposition de la justice. Bon, c'est vrai que c'est pas seulement ça. Justice là, nous tous connaissons la marche mal. La marche mal, son justice qui est très décriée. Même penser qu'avec un minimum de volonté et de moyens, nous sommes capables de arriver porter des solutions. Par exemple, et vetting que vous faites au niveau de CSPJ concernant magistrats sont points qui importants. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas l'eau de corruption au sein de la magistrature, mais faut gagner. J'en gagne en police des polices au sein de la police. Nous connaissons que l'inspection générale, c'est police des polices pour contrôler ce qui a passé dans la police, là, qui genre policier ou fonctionné. Donc, et inspection et service vetting qui en dans CSPJ, c'est un instrument qui permettent que nettoyer système non. Nettoyage là l'important faut qu'il fait. Bon, c'est vrai que et chaque année en tant que ancien président commission justice en dans chambre députée nous fait nos devoirs nous parce que nous dans commission nous membres commission finance là aujourd'hui hein, nous fait nos devoirs pour nous voir si n'a augmenté capacité et financière et CSPJ pour permettre que ou bien une amélioration matérielle au niveau de la justice parce que c'est amélioration matérielle ça que vous toujours demandé qui à la longue capable porter en solution vers en transition vers une bonne saine et valable justice. Mais en fait, c'est justement, quand tu as quoi, il faut qu'il y ait plus d'accompagnement pour le magistrat. Il faut que le juge ait moyen dans le meilleur. Il faut que le juge ne traite pas en parent pauvre. Ça qui va permettre que il arrive à accomplir ta chose comme ça doit. J'ai la société à peine, j'ai la loi Mandela, bien entendu. Bon, je pense que c'est un élément important qui va permettre au juge de mieux travailler. Même pense que c'est un élément moral fort et CSPJ travaille sur les tout. Pour le magistrat qu'on est que l'île là pour le rendre en jugement, il faut le rendre les yeux bandés. Jean, la justice là hier. Il faut le conforme à la loi
faut le conforme au droit pour nous éviter toutes les désordres que nous connaissons qui gagnent, toutes dérives qui gagnent et au sein de l'appareil judiciaire côté justiciable. Là, des fois, elle préfère bailler tête les justices au lieu de la camper devant le juge parce que elle perd du confiance dans sa relais la justice dans le pays. À ce niveau-là, faut que CSPJ, Jean Tabdila, tu as fait travail de certification de manière régulière. Non seulement travail certification, moi je pense que parce que nous avons une société qui a subi une sorte de déchéance totale. Aucune institution pas marché dans le pays. Même la famille est écrasée. Donc si institution initiale société a quitté la famille écrasée, il était en bas. Donc on comprend que justice est en bas, on comprend que parlement est en bas, on comprend que l'exécutif est en bas. Donc là, nous avons un travail pour nous faire. Son travail de dépassement de soi qui vient nous refaire nous prendre confiance dans la tête, nous, dans sa nous, dans l'homme haïtien. Donc, gardez tout ce qu'a parlé de la question pétro-caribéa. Ouais, pays arrivé, nous en descente aux enfers quand il n'y a pas aller plus bas encore. Donc, toute question ça, yo, sont remises en cause, je pense que, qui t'a supposé fait sur le plan national, et que pour nous prendre conscience de l'État pays, pas seulement dans un niveau appareil judiciaire, même nous faisons appel aux parents, faut pas ressaisir tout pour prendre la famille en main. Bon, c'est vrai que j'ai toujours dit que le père est le chef de la famille, bon, c'est vrai, et famille pas un papa. Yo. Et famille monoparentale. Ça veut dire plus famille monoparentale. En Haïti, je vous dis, et papa est déresponsabilisé, tête, le plus souvent, on arrive dans le cas, c'est maman qui est toute cas là. Malgré les lois sur paternité, tout ça. C'est maman qui est toute cas. Bon, vous connaissez que dans le système et société, pas nous, hein, loi sur paternité responsable, là, son barrette qui prend temps pour l'appliquer, de même que où est loi 82 à 10 octobre 82 à sous égalité des hommes et des femmes en Haïti. Mais ouais, sociologiquement, et loi Paris va appliquer parce que femme n'a toujours besoin un garçon solide qui bon côté pour protéger. Donc responsabilité loi sous responsabilité paternité responsable là la prend temps tout et pour l'appliquer c'est en loi de 2014 la prend temps pour l'appliquer parce que journée jodien et Alphontes ADN pour qu'on ait si petite ça c'est petite tel nèg qui était sorti avec et ça coûte au moins $400 US ou 400 dollars US multiplié par 70 gouttes pour un dollar ou équivalent l'argent le fait mais comme ça d'après occuper tout monde plutôt pour le faire test pour qu'on si papa c'est papa donc il y a toute situation ça qui permet que yo société ça aide l'état pour nous rendre l'état ça ADN accessible pour que si malheureux a un problème vous dire monsieur a fini pas vite d'aller pas l'occuper pour le cas forcer l'occuper parce que petit le problème non grave li à tous les niveaux par exemple si nous prend multiple mission Nations Unies qui viennent ici monsieur soldat Nations Unies qui tombe bonne petite en Haïti moun sa pa jam joine pou vin okipe piti yo. C'est ça que même d'accord avo, l'on dit que majeure partie en Haïti ou joine des familles monoparentales côté ses filles qui avec 2 3 4 petites qui a occupé peut-être pour 2 3 4 papa ou bien pour un papa qui pas té vle prendre responsabilité qui virer dol qui té vient. Donc si nous retournons dans justice là, on pensait que discours président CSPJ il était très très cohérent mais travail qui vient pour faire là. Ce n'est pas seulement on travaille au point de vue finance pour bailler CSPJ plus l'argent, mais il faut CSPJ essayer ouais, s'il a instauré une certaine, bon, disons, pas instauré, réinstauré une certaine moralité dans l'exercice de la profession de magistrat qui sont professions qui nobles. Parce que l'on entend longtemps, l'on dit au monde, les magistrats, et à n'importe quel niveau, que ce soit un juge de paix, et un juge de première instance, ou bien un juge en appel ou en cassation, ou est son métier qui austère, son métier qui noble. Donc, je pense que, aujourd'hui, en dehors de toute déchéance qui gagne à tous les niveaux dans le pays, ça, foc, et dans le niveau justice là, et on a dit que, Cour suprême, non, Conseil CSPJ, faut essayer, ouais, s'il y a instauré une certaine moralité au sein
de la justice pour faire magistrat yo reprendre confiance dans tête yo et puis faire justiciable là retourner vers la justice reprendre confiance dans justice pays. Là encore il y a quelques magistrats, quelques acteurs dans le système que je dis à pouvoir judiciaire trop dépendre de l'autre deux pouvoirs législatif et puis exécutif. Par exemple pour budget c'est exécutif qui travaille et pour par exemple certaines fois pour nomination juge tout c'est exécutif, pour cassation c'est le Sénat qui fait proposition et parfois une tractation que magistrat qu'on a dénoncé qui a fait au niveau ça. Alors je dis à tout le monde quoi que à tout l'acteur quoi que si vous n'arrivez garantir indépendance voie judiciaire faut ta retirer sous contrôle ou bien une certaine retirer dépendance si tu as à certain niveau dans mes deux pouvoirs par contre penser. Bon et pas oublier que Sergi Dio moi membre dans la commission réforme constitution à côté de notre travail avec magistrats, avec CSPJ, avec ANAMA, parce que nous avons invité pratiquement tout le monde, organisation, femmes, magistrats, nous avons invité tout le monde pour réfléchir qui ça, qui gens nous capables de permettre que CSPJ mieux fonctionne et améliorer les conditions de justice là en Haïti. Et nous pensons que nous sommes arrivés à une solution que, en principe, il faut renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc, faire tout un pouvoir indépendant, un pouvoir qui agit de par lui-même, mais pas oublier que dans ce qu'on appelle la collaboration des pouvoirs dans le système constitutionnel là, même si justice là complètement indépendante, mais le PACA vive en vase clos. Question budget l'État, c'est toujours chaque institution qui prépare le budget qui voit le bail exécutif là, et c'est l'exécutif là qui gagne droit pour le transmettre le bail parlement. Donc, on a toujours une passerelle ça qui a existé dans la collaboration et trois pouvoirs. Peut-être que c'est qui a un pouvoir pour lui défendre le budget là-bas, non? Oui, il y a un pouvoir pour lui défendre le budget. Parce que avant votre budget, chaque institution rencontrait commission finance et budget en dans le parlement. Donc CSPJ gain droit pour lui dire que pour lui justifier pour qui ça c'est ça lui mettait c'est dans telle rubrique dans fonctionnement c'est tant l'argent le mettait pour qui ça dans investissement c'est tant l'argent le mettait. Je pensais que exercice ça a toujours fait mais au final pas oublier que c'est parlement qui pour autoriser dépense l'État donc c'est lui qui va le voter et budget pour le rendre loi finance là vient tourner un budget qui va fonctionner pendant une année et au sein de la République. Vous pensez ça déranger l'indépendance là? Non. Puisque ou pas chaque institution pas qu'à voter budget pour compte lui. Chaque institution pas qu'à voter budget pour compte lui. Donc faut gagner une centralisation budget et dans le cadre démocratie hein, et c'est toujours parlement qui votait un budget pour l'ensemble des institutions, pour l'ensemble des pouvoirs de la République. Mais question nomination juge tout, c'est vrai, le CSPJ fin fait proposition de vous et la ministre de la Justice, c'est le ministre de la Justice qui vous travaille sur pour vous et le président de la République pour que vous nommez juge. Ça tout pas créé problème selon vous? Ou que ça pas CSPJ a tout choisi juge après certification et puis nommé? C'est ça qui pourrait le conforter. Indépendance pouvoir judiciaire. Là, même pense que c'est très important que progressivement pour désengager exécutif là, et dans question justice là, mais pas oublier que c'est ministère de la justice, qui préparait politique générale gouvernement en matière de justice. Donc a toujours gain un petit chita à parler qui pour fait entre pouvoir judiciaire là et exécutif là. Parce que le ministère de la Justice, c'est lui qui détermine la politique gouvernementale de justice. Donc il y a un pouvoir ça pour le faire, mais je pense que faut le chita travaille en collaboration avec CSPJ qui est représenté pouvoir judiciaire là. Donc ça est très important, mais tout au moins dans la question. Nomination juge, transfert dossier à bail exécutif là, pour dossier perdu un certain temps, non mais exécutif là, je pense que sur ce point là, faut nous essayer de joindre on l'autre passerelle de collaboration pour permettre que de renforcer pouvoir CSPJ. L'autre élément, M. Gaston, le même quoi que la justice a failli. Il compte? Il quoi la justice a failli ou t'es dans les discours? Bon, c'est ça me dit, c'est génial. Ça qui a incidence sur l'autre institution selon lui. C'est pas justice là seulement. Par exemple,
surprend certaines juridictions de première instance. Pas une confiance même. Pas une confiance même. On pas essayer faire personnalité pour non pas faire décrier plus toujours. Mais on connaît que il y a des juridictions de première instance, particulièrement en matière terrienne, dans la question de où il y a confiolo entre juge, entre policier, entre apprenteur, entre notaire. Il manque un mélange qui fait en dans la juridiction, ça, qui fait que, j'en ai aujourd'hui, hein, moi je dis tout à l'heure, que le justiciable n'a pas fait la justice, la confiance, même en dans la juridiction. Ça, bon, par exemple, et une intervention y aurait les bon fait hier sous yon moun yo arrêté l'a analysé situation hein? Pas de gagner vraiment raison pour arrêter moun son on dame yo arrêté dans zone quoi de Bouguer pas de parler mais m'obligé parler pas de raison pour arrêter arrêté mais ouais son question politique qui fait arrêter. C'est pas question politique qui sorti au plus haut niveau. Ti bagay au niveau de autorité locale. Donc, parce que li pa autorité locale, yo arrêté pour ça. Et gon magistrat qui permet li livrer non telle situation. C'est ça, ouais. Justice n'a pas marché. Mm-hmm. Justice la tête en bas, justice n'a pas marché. Donc, faut qu'il y ait un travail qui fait. Faut CSPJ et redoubler d'efforts pour le capable mettre l'ordre dans un lit. Et puis nous-mêmes, en tant que parlementaires, les budgets a vini et n'a fait nous le devoir pour nous renforcer, pour contribuer au renforcement du pouvoir judiciaire, n'a fait nous le devoir pour nous voter budget à Jean-Yves Mandela, pour capable permettre que investissement fait, pour capable permettre que au niveau de fonctionnement CSPJ, il y a des moyens pour magistrats et fonctionner. Autre élément, c'est détention préventive prolongée que M. Gaston a parlé. Bon, chaque tout le temps depuis que question de la justice, je parle de ça. Mais plus nous parlons, c'est plus pour nous en prison, nous n'avons pas capable de devant le juge naturel. Parfois, ça nous reproche par rapport avec quand c'était temps déjà fait. On va demander si ce n'est pas la justice qui fait ça. Bon, moi-même, en tant que m'te avocat, je connais l'incompatibilité parce que je suis parlementaire aujourd'hui. Moi, je joins nos cas et que moi-même, avec Mme Mounoudal défendre, et parce que nous avons estimé, le cabinet a estimé que l'important pour nous faire moun ça sortir dans la prison, il y a un monde qui était dans la prévention pendant 7 ans. Dame n'a rentré dans la prison, jeune fille, elle est sortie dans la prison, elle nous rivé la gueule. Nous avons plaidé pour lui. Il va presque être dans la bouche. Il vient un petit grand monde. 7 ans en prévention. Parce que et c'est pas trop longtemps. Ça, son bail qui passait aux alentours de 2010, comme ça. 7 ans de prévention. L'on a demandé côté la justice là. Par exemple, dans un discours qui a été fait hier, et je pensais que c'était le discours président de la République là, côté l'étape parlé de détention préventive prolongée, où est que bon travail qui n'est pas fait. Parce que actuellement, il y a des gens qui sont en prison depuis après 12 janvier, il y a des gens qui sont en prison, ils n'ont pas même songé si ils existaient dans la prison. Ils n'ont pas un dossier. Puisque le dossier est bench. Ils n'ont pas un dossier. Il n'y a pas même songé Léo. Seulement, il y a en prison, famille au poté manger bayo, et puis il y a la justice ignorée, oubliée. Moi, je pense que je ne dis pas son travail et d'envergure qui t'a dû fait au niveau de toutes les juridictions, de 18 juridictions première instance, et particulièrement au niveau de la juridiction de Port-au-Prince, pour être capable déblayer prison yo de moun sa yo qui dans prison qui par contre qui leur était là pour qui leur là qui joue à sortir dans la prison. L'autre élément, ça c'est dans le discours président Jovenel Moïse, c'est question insécurité foncière. Là. Il dit à Soufina Chantite, ou Redidi, et puis au bon matin, on se trouve à ce côté de Soufina, il dit à Epoulier, puis bataille, mettre pied, par contre, si on a bien, c'est lui qui a gagné. Il va falloir dire c'est gros point de lui. Alors là encore, la justice, pas toujours répondre à temps, M. Cyprien. Bon, je pense que dans la situation insécurité foncière, là, la justice, bon, je ne dis pas la justice seulement. Ceux qui interviennent dans les professions judiciaires, ou pour un avocat, ou pour un juge, ou pour un apprenteur, ou pour un notaire, ou pour un huissier, ou pour tout paquet de ça, ils ont contribué
en majeure partie dans la question insécurité foncière. C'est ça qui fait le travail, ça qui fait là. Les pas doivent être faits seulement au niveau du CSPJ. Nous pas longer doit être sous magistrat seulement, parce qu'il y a l'autre monde. Il y a un avocat qui n'a pas qu'à vivre sans corruption. Il faut toujours chercher un juge pour l'abdi juge là. C'est moins pour bailler jugement quand on juge là. Gagner apenteur qui pas arrêté sans le pas vider café sous papier pour montrer que papier est son papier ancien lié, et bien notaire qui vivent de ça tout. Même parce que à tous les niveaux, par exemple au niveau du ministère de la justice, il y a un service qui est les professions judiciaires. Parce que là faut au niveau de profession judiciaire là au travail pour retirer dans le système là et des mondes que porter plainte pour eux à raison, parce que des fois il y a des monde qui veulent détruire mon porter plainte pour les dire que le bas bon non, donc faut qu'on on structure qui permet de analyser plainte ça yo monde qui a raison yo pas dans le système là pour retirer non. C'est parce que si a font travail anticorruption ou a font travail pour remembrer institution en Haïti, travail ça faut le toucher à tous les niveaux. C'est un point que le président a touché dans le discours là, c'est question cadastre là. Moi c'est que l'important pour yo refait cadastre paysan, pour même si l'état exproprié terre pour cause d'utilité publique, faut cadastre paysan refait pour ne pas penser que yo ka entrer mais yo en dans système là, faire n'importe papier, al prendre n'importe jugement, surtout des jugements par défaut. Dans tout bail ça c'est des jugements par défaut et des petits malins qui connaissent le système bien et aller au conseil devant tel ou tel juge pour aller pour un jugement par défaut et puis comme ça y aller et yo voler témoigno. Donc je pense que le travail là li en pile, son travail d'envergure, c'est pas une seule institution qui a fait, c'est pas justice seulement, mais au niveau du ministère de la justice, il y a un travail qui pour fait pour et refaire citoyen prendre confiance dans justice pays, parce que gagneg journée aujourd'hui si vous voulez ranger pays qui pas doué dans système là encore. Oui, là on a onaka tout, vous ça pas renforcer onaka. Oui, il faut renforcer onaka et le moyen pour fonctionner. Parce que journée aujourd'hui et question à râler chaîne pour apprendre tête, ça pas existe encore. Avec question GPS là, on apprenteur moderne capable prendre ti donné là, les river souterrain, le faire apprentissage là rapidement, pas besoin prendre 2 semaines, 1 mois, 2 mois pour faire apprentissage sous terre. Moi je pense que faut pouvoir ta profiter de technologie moderne non pour lui refaire cadastre là et là pour un gros investissement. Là pour un investissement lourd, mais je me quoi que pouvoir qu'arriver mettre l'ordre dans le cadastre là en Haïti, que son gros exploit l'a fait pour le pays, et c'est une plus grosse partie de lutte contre la corruption que y a privé mené en de pays. Son nouvelle année, chaque fois en nouvelle année, il y a des recommandations qui t'a fait que l'année a plus bon par rapport à l'année de vivre là. Recommandations pas aussi qui sont taillées pour acteurs dans le système judiciaire là, je veux dire. Bon, et premièrement, nous sommes capables de dire pour le commissaire gouvernement, essayer dans toutes les 18 juridictions, essayer aussi à combattre la question et détention préventive prolongée. Il faut que vous combattiez, il faut que vous arriviez à bout à la question ça. Bon travail qui vous fait en dans prison, il faut que vous fait. Mais il faut éviter tout pendant qu'il a fait travail ça, pour ne pas gagner monde dans le système qui prend l'argent dans les gens qui commettent des crimes très graves pour libérer pendant qu'il a nettoyé la prison civile de toute question sous détention préventive prolongée. Et je pense qu'il faut essayer de remettre l'ordre dans le système. Nan. Et magistrat tout, faut magistrat prend travailler plus au sérieux pour y arriver, rendre plus de décisions. Parce que qui sa démocratie Amando? Démocratie Amando que sous arrêtons moun, faut bon jugement. Et jugement qui sa pour lié, soit acquitté ou bon condamné. Donc sous que magistrat respecté délai, ça le délai 48 heures pour garder à vue. Et que vous présentez moun yo devant juge naturel yo. Et que juge, si c'est juge naturel, là, le capable juge de paix, le capable et juge premier instance, ça dépend de niveau infraction qu'on fait. Vous présentez devant juge ou, et que juge la rend en décision. Ce qui importe, c'est la décision. Et l'arrivée dans le code d'instruction criminelle là même, c'est lui qui
n'a pas servi toujours pour qu'on ait un code de procédure pénale là. Donc, code la clé sous lit, les bons délais pour agir sur un dossier. 2 mois, et puis, au niveau du cabinet d'instruction, 2 mois pour juge d'instruction en ordonnance lit, et à la rigueur, il est capable on extra 1 mois pour le river faire. Donc, ça veut dire que si travail ça a fait dans le délai prévu par la loi, donc, n'a bien moins ces monde qui est en détention préventive prolongée. Parce que, il y a un pile travail qui peut faire, mais faut que nous commencions quelque part. Là, nous pourrons aller vous fermer avec visite qu'on va aller vous faire, et dans la CPUE, et puis diplomatie faite avec les parlementaires pour la paix. Et récemment, tu as eu un symposium, tu as eu un forum en Haïti pour les parlementaires pour la paix. Continuance. Et semaine prochaine, nous pourrons aller dans une réunion ACP au Parlement européen avec les pays de l'ACP. C'est un forum préparatoire que nous pourrons faire pour un gros événement. J'en ai fait en Haïti en décembre 2017 là. Un gros événement que nous pourrons faire au Bénin, à Cotonou, et au mois de novembre, à la fin du mois de novembre 2018. Donc, il y a une préparation ça pour le faire. La fête Bruxelles et semaine prochainement. Et semaine ça à tout, il y a un gros événement qui a fait tout au Panama. Okay. Et sur le changement climatique. Et moi déjà, en tant que responsable de la diplomatie parlementaire au sein du Parlement, moi déjà dépêché. Et il y a une délégation de députés, bon, qui pas énorme, et il y a un député pour aller représenter Haïti, Panama, sous question réchauffement climatique. Là. Semaine prochaine, on va gagner ACP sur plusieurs questions, parce qu'il y a plusieurs thématiques qui toujours débattent au sein de l'ACP. Donc, une fois que nous arrivons sur les lieux, ce travail, ça nous parle plus fait, c'est sous accord post-Cotonou. Nous connaissons que l'accord post-Cotonou en 2020 est fini, donc nous commençons à réfléchir sur lui. Et qui nouveau rapport et pays ACPO, Afrique et Pacifique, pour le gagner avec pays Union Européenne après 2020. Donc là, on a discuté de problématiques ça en gros, mais il y a une autre problématique qui pourrait ajouter dans l'agenda et réunion ACP avec l'Union Européenne. Mais tout dernièrement, tu as une réunion des parlementaires pour la paix en Haïti, qui était en réunion extraordinaire, mais on nuance tout petit, et nous allons essayer de résoudre ça rapidement. Le 6 juillet, nous avons créé le Parlement international pour la tolérance et la paix avec certains parlements à travers le monde. Donc il y a plusieurs forats de parlementaires et qui existaient. Pas en duplication, non? Non, il n'y a pas en duplication, parce que nous-mêmes, nous avons un Conseil mondial pour la tolérance et la paix, nous créons le Parlement mondial pour la tolérance et la paix, ou Gognons, il y a tolérance et paix. Et parallèlement, il y a une institution pour la paix, soit une institution qui regroupe d'autres mondes, bien parlementaires là-dedans, mais ce n'est pas seulement des parlementaires. Ce sont des formes qui ont des gens ouvert à d'autres institutions autres que des parlementaires. Et là, le Parlement mondial pour la tolérance et la paix, il réunit que des parlementaires. Et là, raconte ça, c'est pour voir pour qui le Parlement pour la tolérance et la paix. C'est pour le 26 octobre, la fête est Albanie, à Tirana. Donc là, nous avons une deuxième grande assemblée. Nous, parce que la première grande assemblée a été faite à Malte, en Méditerranée. Deuxième grande assemblée après la fête à Tirana, à la fin du mois d'octobre. Coup du groupe majoritaire pour finir. Le groupe majoritaire existe encore. Quoique nous connaissons que depuis un certain temps, les anti-gens branlant. Il y a une fois rencontré. Et nous rencontrer. 70 toujours. Et bon, nous pas dit 70, 72. 72 là existait toujours, mais 72 en deux branches. En deux branches. Et je pensais que c'est sous ça notre travail là pendant la période de vacances parlementaires là, pour nous aussi arriver à ressouder la majorité parlementaire là. Pas oublier que à partir du deuxième lundi de janvier, nous avons retourné
et normalement nous allons prendre une nouvelle session de travail nous et me penser que d'ici là n'a pas temps et corriger ca et nous n'a pas temps mettre l'ordre dans des autres pour nous capable avancer vers un nouveau bureau à la tête de la Chambre des députés pour nous ouais qui gens nous cap permettre que 50e législature là et arriver abouti à un bilan raisonnable à la fin de la législature. Pas oublier que nous gagnons en perspective pour nous déposer sous bureau et chambre députée et le projet d'amendement de la Constitution. Quand est le premier jour gouvernement séant? Bon, premier jour gouvernement séant, parce que c'est une période de mise en place, son période de mise en place. Et pas oublier que nous sommes arrivés dans la période côté président est obligé parti à aller dans les Nations Unies avec certains ministres. Donc mise en place là a fait et jusqu'à présent ce qui est important c'est que ouais bon apaisement social, bon paix sociale jusqu'à présent même quand il y a des manifestations sous question pétro-caribéen, ce qui est juste. Moi, je pensais que Jounen Jodian et Jean, le procès de la consolidation était fait en 1902-1904. Mm-hmm. Je pensais que Jounen Jodian, faut que nous obligés qu'on ait côté l'agent pétro-caribé à passer, qui s'est qu'a fait. Mais moi-même, je souhaite que ce n'est pas faire un procès pour faire un procès, mais faire un procès pour récupérer tout l'argent qui mal dépensé sous des comptes en banque, bloquer des comptes en banque pour récupérer l'argent ça, pour mettre au service de la population, pour mettre au service de l'éducation, de la santé. Et c'est pays à malade dans toute zone. Mm-hmm. Donc je pensais que journée aujourd'hui hein, et son question qui est juste que n'a pas agité et faut nous permettre que le commun des mortels faut nous permettre que le peuple-là vienne en réponse. C'est ça qui fait nous retourner dans la question de justice là. Ouais. Faut justice la prend responsabilité pour ne pas quitter que procès assez dans la rue. C'est la rue qui fait. Parce que s'il fait dans la rue, on connaît que les effets de troupes, les effets de foule, qui ça qu'on entraîne en Haïti, qui ça qu'on toujours fait, c'est des violences incalculables. Donc, on ne pas penser que jounen jodi an, pays en ta mérité, yon l'autre 12 janvier encore. T'as pas son l'autre gens, moi t'as souhaité que Jounen Jodian que c'est la justice qui rapatrie question pour la justice fait lumière sous question pour monde qui impliqué dans détournement fonds pétro-caribéen pour être capable et répondre devant la justice et comme ça n'a vinn un apaisement social, peuple reprendre confiance dans justice là, la preuve que justice là travaille pour permettre on la vie meilleure en dans pays. Ça c'est important. Il est très important, faut que la justice fait lumière sur la question. Hein? Mais ce n'est pas seulement arrêter les gens, juger les gens, mettre les gens en prison, laguer les gens, mais il faut retourner dans la caisse de l'État pour faire le travail, il était pour le faire. Donc ça, peut-être ça que tu as mal dépensé? Oui, ça t'est mal dépensé. Il y a un pile dépenses qui fait. Et il y a une certaine visibilité dans dépenses qui fait. Si vous prenez les bâtiments que nous gagnons pas sous champ de masse dans les girons du Palais National, un bon gros bâtiment qui érigé, qui prend en fonction très bientôt. Donc là, on va pas dire que l'agence a mal dépensé, puisque nous avons des immeubles là, des immeubles très imposants, qui prennent au service de l'État haïtien. Mais fonds, par exemple, si vous prenez Parlement, pour 30 millions qui dépensaient pour construction du Parlement, mais le Parlement toujours nantais. Et toujours nantais. Comme ça, il faut demander aux gens qui ont été baillés comme ça, institutions qui ont été baillées comme ça, pour comme ça retourner dans la caisse de l'État, soit pour construire le Parlement, ou bien pour aller construire l'école pour Timonio, ou bien pour aller construire l'hôpital pour les Haïtiens. Parce que toute l'argent mal dépensé, folle, et à la suite du procès, il faut retourner dans la caisse de l'État pour être capable d'utiliser pour améliorer les conditions de la vie moun, en Haïti. Voilà, M. Cyprien, c'est député Thomas Zoum. Je suis content de pouvoir passer l'émission de bouche avec vous et garder l'entrée judiciaire et puis très certainement garder l'autre élément qui est dans l'actualité. Merci en pile, bon travail et déjà en pile voyage à Ptenou là. On a une question de diplomatie parlementaire, pas bien chita. Souhaitez voir ça pour un peu le fruit, non seulement pour vous, mais pour le Parlement et pour Haïti de manière générale. Eh bien, c'est ça nous souhaitons, c'est ça nous fait.
depuis le nous embrasser carrière ça, carrière diplomatique là, et c'est ça nous essayer ouais si avec pointe ça, avec rencontre ça que nous gagnons avec les parlements à travers le monde, si nous apportons amélioration dans conditions et parlement en Haïti, dans fonctionnement et parlement haïtien. Nous souhaitons que les députés qui vont voyager ensemble avec nous, les gagnent forme ça yo et yo apprendre en pile bagaille et que 51e législature en meilleure législature que 50e nan qui pourrait arriver à sa fin et dans une année. Voilà. Ah ben, c'est pas seulement l'année judiciaire qui lance, mais tout l'année fiscale a démarré tout hier. Après, je ne vais pas parler l'année judiciaire, je ne vais pas parler l'année fiscale. D'ailleurs, le directeur général de la DGI pourrait rejoindre nous sur le plateau pour nous garder sa perspective. Sa recette était l'année passée, sa recette est capable. Parce que de toute manière, pour développer en fait, il faut que l'argent entre dans la caisse d'État et DGI, vraiment, c'est une institution incontournable dans le niveau ça.